Salut YouTube, nous voici encore sur une nouvelle vidéo de Guilty Gear Strive. Et nous allons faire un petit peu de mission. Ça va être à chaque fois que c'est mission, attendez-vous à ce qu'il y ait quand même pas mal de tryhard. Parce que j'ai pas le niveau suffisant. Justement, j'essaye grâce à ces missions de level up, de step up. Et je sais pas, si vous aimez bien me voir tryhard, bah regardez cette vidéo, sinon je vous conseille de passer votre chemin. Parce que ça va être faire une exécution pendant près de, je pense, un quart d'heure, 20 minutes, quelque chose comme ça. Et je vais essayer de faire le plus de missions possible. Mais si, plus ça va, plus ça devient dur. Donc à mon avis, je vais finir par faire une mission pour 20-30 minutes, parce que je suis que 3 étoiles et déjà là j'ai déjà passé au moins une heure dessus et je l'ai toujours pas réussi. Donc c'est parti, je vous mets sur l'écran. Donc je suis censé être là, je suis censé sauter, faire ça, et là je comprends pas. J'ai loupé. En fait, j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne. Je suis pas assez rapide. On va revoir l'aperçu. Vous voyez le Y rapproché, je n'y arrive pas. Déjà, si j'arrive à faire le... Je comprends pas pourquoi il veut faire... J'aimerais bien juste valider le Y rapproché déjà, parce que là c'est chaud. Hein. C'est vraiment vraiment très dur. Hein. Je comprends pas. Mais comment il fait? Comment ils font? Attendez, je vais revoir pour le Y rapproché. En fait, je crois que j'ai un mauvais timing. Hein. Je l'ai réussi là ou quoi? C'est ah, mais c'est hardcore. Mais comment? Ça va être long cette vidéo hein, si c'est comme ça. Oula, j'ai cliqué qu'une fois. Comment ça se fait là, c'était comme ça. Je pense qu'il faut pas le taper quand on est au-dessus de lui. Ah, c'est vraiment au dernier moment quoi. Hein.
Ça, c'était bien, ça. Là, c'est trop tard. Vous voyez, quand c'est trop tard, il touche le sol et il annule l'attaque. Là, c'était trop tôt. Là, je pense que ça, c'était pas mal. Ouais, mais là, non. Là, c'est trop... trop... Les timings à avoir, ils sont insane. Aïe 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 aïe. Ça va être compliqué. Ah, il l'a pas fait. Mais il fait pas le bon coup. Si. Ah, mais je suis pas rapproché. C'est ça en fait le problème que j'ai. Là, je suis proche. C'est ça mon problème. C'est que, en fait, je fais pas un Y rapproché, je fais un Y de loin. Regardez, ça c'est le coup de loin. Et regardez, si je fais ça, il fait le coup de loin. Déjà, ça c'est bon à savoir. Parce que ça veut dire que, bon, évidemment, mon exécution est mauvaise. Mais ça me donne l'opportunité de savoir ce que je dois faire pour que ça marche. Je pensais que je le faisais, mais c'est bizarre. Non, il est loin. Mais pourquoi? Si je lui fais le coup, il s'éloigne trop. Vous voyez? Mais attends, mais lui, je me souviens que sur l'aperçu, il arrive. Ah, je le fais un milliard de fois trop tôt, en fait. Mais comment il fait pour sauter jusqu'à lui comme il fait? Mais attendez,
On va réessayer. Regardez, moi j'ai fait un saut normal, je suis arrivé ici. Lui, il saute un milliard de fois plus haut que moi. Hein. Comment il fait pour sauter aussi loin? Mais attendez, mais regardez. Je crois l'avoir vu, il a pris de la vitesse. Il a fait... Mince. Ouais, on voit qu'il a accéléré, hein. Ah, c'est ça. Ça, ils le disent pas, hein, les salauds. En fait, faut dash. Faut dash sauter. Il devrait le mettre. Ça devrait être en position 1. Genre, faire une zone 1 où il y a marqué... dash plus saut et ensuite Y en sautant, Y rapproché, balayage et tout. Là il manque un truc hein. Parce que pour comprendre ça, waouh. Bah dites-vous que ça fait une heure que je suis dessus et que je viens à peine de le découvrir hein. Bah voilà, bah oui, le Y rapproché maintenant il passe. Évidemment. Si j'ai loupé le saut. Ok, bah maintenant il reste plus que tirer en rave. Ok. Ah, j'ai loupé. Ah, j'ai un peu exagéré là. Mince. Oh, je suis... bah pour le coup, j'ai sauté trop loin. Non, c'est pas ça. Non, toujours pas. Non. C'est chaud. J'arrive à le sortir tout seul, mais j'arrive pas à le sortir. Mince, mais je fais n'importe. J'arrive même plus à le placer du coup. Attends, il est rapide là. Ah, faut. Pourquoi ils ont pas mis un bouton recommencer? Ça serait pas plus simple?
Sur la manette, en plus, j'ai appuyé sur tous les boutons. Au secours. Vous devez bien vous marrer avec les boutons sur le côté. Hein. Ah mince, je suis nimp. Mais pourquoi il passe pas? Oh genre... Mince. Je sais pas pourquoi j'essaie de faire un quart de cercle vers l'arrière. Ah, je suis trop loin. Trop lent. C'est trop lent quand en fait, quand on l'attaque, quand il est... C'est pas possible de faire ça. Ah, mais... Ah, j'ai loupé. Mais... Pourquoi je fais une attaque chelou? Mince. Ah, mais là, je sais trop. Hein. Ah, là, c'est trop. Ah, mais c'est chaud de doser le saut et doser. Faut tout doser au millimètre, quoi. Ah, j'appuie trop sur Y. Bon, je fais pas le bon combo en fait. Il passe derrière. Je peux rien faire. C'est ouf. Ah oui, parce que je fais pas le rapprocher. Là, j'ai fait. Bon. Tant pis. Ah mince. Faire un entraînement.
Ça passe, hein. Ça passe. C'est pas ça le... Si, si. Ah, c'est Y. Aïe, c'est dur. Ah, par contre, c'est vraiment au cac, hein. Comment ça se passe le teammate si je fais genre ça? Donc je récupère mes épées. Si je fais ça et que derrière je fais l'ultimate, je récupère mes épées instantanément. Et ça c'est très très fort. Regardez-moi la portée de ce coup, quoi. Celui-là, ça va. En vrai, c'est de la courte range. C'est de moyenne range. Très longue range. J'essaie d'avoir le timing pour voir. Comment on fait déjà là les... Ah, c'est trois boutons. Ah, c'était ça. Je m'en souvenais plus. Parce que la garde, à la limite la garde comme ça, je m'en souvenais, c'est la garde parfaite. Même debout, mais je me souvenais plus ce que c'était ça. C'est quoi ça? Ça c'est bien ça, c'est stylé en plus. Une attaque comme ça. Attaque à la main qui sert strictement à rien. Le pied ok. Ok, ok. Attends. D'accord. T'as X chez elle, c'est vraiment nul, hein. Ah, ça c'est bien ça, par contre. Je sais pas l'utiliser, mais c'est vraiment bien. Hein. C'est pas mal. Par contre, c'est lent, hein. Mais la plupart des coups, de toute façon, ils sont lents, donc... Je m'entraîne, hein.
Pourquoi il sort pas? Et voilà, j'ai fait un truc que je voulais pas. Allez, mais fais l'enchaînement. Oh. Il est dur à faire. Il est super dur à sortir. Là. Oh là 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 là. Bon. On va essayer de se faire un... On finit sur ça. Je vais essayer de faire un joueur VSIA et je vais voir si c'est le mode le plus difficile. On va voir. Mince. Maniac. Ouais, allez. On va voir ce que ça donne Maniac, mais... Quoi déjà? Ah ouais. J'ai déjà lancé, je suis dégoûté. Il y a 3 coeurs. Oh. Je déteste ça. Je comprends pas, je fais les 3 boutons mais il veut pas faire le... Je sais même plus comment ça s'appelle. Pourquoi il veut pas? Mais fais-le! Ah d'accord. Je suis mort. A chaque fois, les mecs ils claquent leur ulti, je me le prends parce que je suis en train d'agresser. Soit je suis en train de me prendre un coup et je peux pas me mettre en défense, soit je suis en train d'essayer de mettre un coup et on peut pas counter ce genre d'attaque. Hein. C'est-à-dire que même si t'étais à 1 mm de le toucher, le gars il va t'éclater la tête. Hein. Donc bon. Allez, un petit dernier pour la route. Et ouais, tu t'attendais pas à l'esquive, hein. Oh non. Sors-le l'ulti, mais... Je sais pas sortir l'ulti. J'ai envie de le sortir et je peux pas. J'ai pas le temps. Allez. J'ai pas réussi.
Ah, j'ai loupé, il s'est baissé. Ah. Oh non. Eh, n'empêche, pour un perso de niveau maniaque, je vais quand même retirer pas mal de vie. Hein. Après, je gagne pas, mais... Ça, mais c'est... Mais pourquoi à chaque fois je peux pas me défendre? C'est un truc de ouf. Pourtant j'ai essayé, hein. J'ai essayé, mais il enchaîne tellement vite les coups que même quand j'essaie de le counter, des fois ça se joue même pas une seconde, hein. Mais c'est suffisant pour qu'il soit supérieur à moi, quoi. Allez. Et on va s'arrêter là-dessus. Donc je vais mettre fin à la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Petite session pour l'émission. Hein, mission 3 étoiles, la dernière. Après, on va passer aux 4 étoiles qui deviennent encore plus compliquées, évidemment. Et on a testé le niveau maniaque. C'est la première fois que je vois ce niveau-là. Franchement, je pense que je vais tout le temps m'entraîner là-dessus parce que c'est peut-être punitif, mais c'est là où je vais m'améliorer le plus à me défendre, à trouver les bons moments pour taper, etc. C'est vraiment, vraiment, je pense, le mieux, c'est toujours travailler avec quelque chose de très haut pour que quand tu retombes face à quelqu'un qui est plus bas niveau que toi, tu le déboîtes, mais que quand tu tombes sur le niveau, un niveau plus haut que toi, tu saches quand même aussi comment réagir. Donc, moi, je pense que ça, je vais le tryhard, peut-être pas cette semaine parce que je suis en formation, mais ce week-end, il y a moyen que j'y joue pas mal. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine, les amis. Ciao.